Bonjour les sculpteurs nomades. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter mon spoonmule. Spoonmule en anglais, littéralement en français, c'est, on va le traduire par étau à cuillère. Alors, c'est un bandane auquel on a ajouté un étau spécialement conçu pour sculpter les cuillères. Alors, je vais vous montrer un peu comment c'est fait. Voilà l'engin. Vous avez deux tasseaux qui vont servir à serrer la cuillère qu'on actionne avec les pieds. Voyez un peu comment c'est fait. Alors, on va le remettre. Voilà. Alors, le spoonmule, c'est pour travailler uniquement à la plane. On ne travaille pas au couteau avec ça, c'est un étau. Donc là, j'ai quelques blancs de près. Alors toujours au blanc, bon, dégrossi à la hache, un maximum. Vous les gardez toujours dans un sac plastique pour pas qu'ils sèchent. Et voilà. Donc, votre cuillère, vous la placez dans l'étau et on serre en écartant les pieds. Et là, ça bouge plus. La plane. Voilà, on va dégrossir au maximum, s'approcher au maximum de la forme voulue avant de terminer. On desserre les pieds, ça lâche la prise. Voilà, on écarte, ça resserre. S'approcher au maximum de la forme voulue. Et pour le serrage, la vitesse que ça est. Voilà le spoonmule. Alors, vous voyez, les deux tasseaux sont fixés avec un fil de cuivre. Plusieurs positions, si on a une plus grosse cuillère, on peut le mettre plus haut. Voilà. Là, j'ai augmenté l'auteur de serrage. Voilà, les amis. Alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, m'envoyer un petit pouce si ça vous a plu. Et venez sur Facebook, le club des sculpteurs nomades, où nous partageons tous ensemble nos réalisations. À bientôt. Et pour ceux qui débutent en sculpture, n'oubliez pas la petite formation comment réaliser ses premières cuillères en toute sécurité, tous les gestes de base pour savoir sculpter une belle petite cuillère. Allez, à bientôt, merci.